Les douaniers ukrainiens sont submergés et n'arrivent plus à faire face à l'arrivée des poids lourds en provenance de Roumanie. Les bombardements russes sur les infrastructures provoquent des blackouts et les coupures d'électricité ralentissent les contrôles aux frontières. D'interminables files de semi-remorques s'étirent au poste de douane avec la Roumanie. Les chauffeurs routiers attendent depuis plusieurs jours et certains, dans leur cabine, s'inquiètent de voir dangereusement baisser leurs réserves d'eau et de nourriture. Les autorités ne sont pas en mesure de dire combien de temps l'attente pourrait se prolonger. À certains postes frontières, les contrôles prennent jusqu'à 10 heures. La situation est tout aussi critique à la frontière nord de la Roumanie, en direction d'Ivano-Frankivsk et de Lviv, qu'au sud-est, en direction d'Odessa.